Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et vous êtes en présence du Droid Tech. Et aujourd'hui, c'est parti pour un jeu que j'ai pris sur l'eShop. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai, évidemment. Du coup, j'ai traîné un peu sur Subnautica. Je vais revenir dessus dans ce let's play là par rapport à Subnautica. Attention, grosse déception derrière tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, là, je vais vous présenter un jeu qui est disponible depuis le 28/5/2021, classe d'âge PEGI 7, au niveau des langues anglais, français, allemand, etc. Au niveau de la taille, il fait environ 3 Go une fois installé et le fameux jeu. C'est Wonder Boy Asha in Monster World sur Nintendo Switch. Il est disponible autre part aussi, hein. Il est disponible sur PlayStation et sur PC. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. まさに古の言い伝え通りでした。彼らは空の果てからやってきて、この国を我がものにしようとしたのです。精霊の力は衰えてゆき、闇が皆の心を覆い尽くそうとしたその時、私はまだ少女の面影を残した小さな勇者に出会ったのです。 Ah, la petite intro à la Star Wars, franchement, ça pète. Donc, comme je dis, hein, j'ai pris sur l'eShop, il est à 35 balles, 34,99€, et vous pouvez l'avoir aussi en version boîte dans de nombreux revendeurs, Cdiscount, Rue du Commerce, Amazon et tralala. Donc, Wonder Boy Asha in the Monster World. Donc, Asha, la protagoniste guerrière du jeu, est impliquée dans un grave accident qui affectera la survie de son monde. Notre héroïne aux cheveux verts ne doit pas sauver le monde toute seule et part à l'aventure avec son adorable ami volant. Voilà, donc on va commencer l'aventure. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai pris. On va le tester. Du coup, on a eu le droit à un loop. C'est pas grave. Donc c'est super kawaii déjà comme ça. Moi j'aime bien. Donc au niveau du système, il n'y a pas grand chose. On va voir un peu ce qu'il y a. Donc il y a les réglages, frappe magique. Oula, garde bouclier, frappe magique. Action, pépé logo. Je sais pas ce que c'est. Mouvement. Ouvrir, parler, attaquer à l'épée, attaquer à la baie et sauter. Eh ben, c'est magnifique. Impeccable. Donc, on a vu à peu près les commandes de base. On va voir ce que ça donne un petit peu là. Vas-y, on appuie sur un bouton. On démarre l'aventure. Donc, facile. Niveau facile où les éléments pour se requinquer sont faciles à obtenir. Niveau de difficulté similaire à celui du jeu original. Pas de collecte auto de pièces. Mais écoutez, comme c'est une découverte, on va se mettre en mode facile pour éviter de toujours redémarrer le premier niveau par exemple, et pourquoi pas en live se le faire en mode un petit peu plus difficile tranquillement entre nous. Donc pareil, si vous voulez qu'on continue ce jeu là ou qu'on le termine sur Twitch ou en YouTube live, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Je vous laisse avec la petite intro. Ça commence fort. Je pense qu'il connaît que deux paroles. Mori, mori. C'est super kawaii déjà dès le début, franchement, ça pète bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez le prendre ou pas. Wonder Boy Asha in the Monster World sur Nintendo Switch au prix de 34,99€. Non, je suis pas sponsor, hein. Je vous dis juste le prix parce qu'à chaque fois on me le demande. Et moi je prends tous mes gens en démat pour être tranquille. Oh, Asha yo. Konna tokoro ni ita no ka. Nani nani? 誰かが助けを求めているような気がするだと J'adore le fait de l'avoir en VOST FR comme ça。もう戦士になったつもりでいるのか。さあ、早く来なさい。みなが待っているぞ。Impeccable。Ça évite les vieilles trades toutes pourries。Enfin, quand je dis trades。En français, quoi。
Donc comme on a vu, donc la B pour sauter, A pour attaquer, Y pour attaquer, X pour ouvrir les portes, le bouclier. Et pour l'instant j'ai pas les autres commandes d'affilée. Donc je pense que ça va venir tranquillement. Donc on va voir. Donc là j'ai appuyé sur X. Parler aux gens. Entièrement, je crains ne pas pouvoir faire grand chose. Prends ceci. C'est une goutte de vie. Collecte-en 10 pour augmenter. Ah nickel. Ouais, excellent l'animation, bouche sans boule. Ah, impeccable. Les cheveux verts et tout. C'est dommage, j'allais lui rappeler les cheveux blancs, on aurait pu croire que c'était Bulma. Ah ouais, à chaque fois qu'elle va ouvrir un coffre, elle va bouger son boule. Impeccable. Ça va être sympa comme héroïne. Je redoutais ce jour qu'une mère ne souhaite une telle vie pour son enfant. La vie guerrière dangereuse sanglote. Emporte ce médicament avec toi. Prends-en dans cette vie, nanana. Donc, je peux faire un peu de toi. Achat revient. Ça les sauve, évidemment. Pas mourir. Excellent l'animation. Donc j'ai obtenu un élixir. Super. J'ai bien fait de venir. Je craft. Impeccable. Allez hop, un deuxième élixir. Je sors. Ok, donc là j'ai une boule tralala tralala. Donc là j'ai les épées, les boucliers. Oula, il va y avoir la dose de trucs là. Là j'ai un bracelet. Augmente. D'accord. Ah bah c'est pas mal ça. Attends, c'est du lourd hein. On a même pas regardé ensemble là, mais bah, du coup on peut pas aller plus loin pour le moment. Ok. D'accord. Et par contre, comment je peux pas sauvegarder pour l'instant. Menu système, si là. Charger, sauvegarder, d'accord. Je peux sauvegarder là. Non. Ok, on va reprendre le jeu. Sauvegarder. Ah oui, d'accord. Là, je peux sauvegarder comme ça, impeccable. Ok. On sauvegardera un petit peu plus tard dans l'aventure. Pour l'instant, on va... Lui, il veut quoi ? Ok, à la tour du silence, super. Bah, c'est moi ou j'ai un petit peu de baisse de framerate, là ? Lorsque tu auras besoin de prendre la statue sacrée, tu seras béni des dieux. D'accord. Donc on a une statue sacrée. Achat prix des dieux. Là, je sais pas ce qu'il y a. Un puits. Je sais pas, un puits. D'accord, et maintenant... Attaquer, d'accord, super. Donc là, on avait quelques conseils avant de partir à l'aventure. Ok. Sinon, c'est super joli, hein. Ok. Ok, bon bah il va nous apprendre de plus. On va aller à l'aventure le plus rapidement possible parce que sinon un let's play qui va durer 2 heures. Bah évidemment que je suis prête. Évidemment que j'ai le cristal. Bon, comment je l'ai récupéré, mais bon voilà. Allez. Ouais, on va essayer. Ok, prends soin de toi et ramène de jolies choses. Je vais déjà tout couper moi direct. Donc voilà, là c'est parti pour un petit let's play tranquille entre nous et on verra après si je termine ou pas le jeu. Bah non, je te connais pas. Première fois de terminer ce compte, c'est un plaisir. Sache que tu ne trouveras pas la tour si le cristal de courage n'est pas à la bonne place. Souviens-toi. D'accord. Bon. Oula. Donc là c'est les fameux trucs qu'elle me disait, il faut que j'en récupère plusieurs. L'énergie de 50 ennemis. Quand tu auras suffisamment de puissance, tu pourras lancer une puissante attaque frappe magique. Waouh. T'as de devoir. D'accord, donc là pour l'instant, hop. Donc là c'est niveau facile, hein. Donc là on nous apprend les commandes de base. Normal quoi. Puissance, plus attaque, nanana, ok. D'accord, super. Je pense que ça va nous servir prochainement. Attends, ah, j'ai pas la caméra là. Bon, ça a l'air d'être assez fluide pour le moment. Ah, donc j'en ai eu 10. Je vais obtenir une vie. Impec. Bien, je voulais essayer ça. Mais... Ok, bon, j'ai réussi. Ah, ça peut servir, hein, entraînement.
Ah, bouge bien l'héroïne, c'est un peu, c'est sympathique. Le petit son est sympa. Tout ce qui est chara-design et tout, c'est sympa aussi. Hein. Bon, c'est un jeu en 2D, quoi. Mais franchement, ça pète bien. On est sur Switch. J'espère que je vais pas avoir de trop de problèmes. Donc là, je fais une petite aparté, mais du coup, je parlais de Subnautica, là. Il n'y aura pas la suite de Subnautica. On va s'arrêter à l'épisode 7 pour la simple et bonne raison, c'est que le jeu, il crash. Du coup, j'ai fait une sauvegarde et j'arrive plus à la redémarrer. Enfin, voilà. Le jeu, hein. J'ai plus à redémarrer la sauvegarde. Du coup, la Switch plante et je peux plus rien faire. Et j'ai pas envie de me casser les reins à refaire le jeu. Donc bah tant pis. Donc on fera peut-être Bilo Zero, mais pour l'instant il n'y aura plus de... Merde. Il n'y aura plus de Subnautica normal. Donc là ouais, pour le bouclier, hein, j'utilise L. Voilà, tout simplement. Bon, moi j'aime bien un petit jeu comme ça en 2D. Ça donne envie de le poncer. Donc se mettre en mode un peu plus difficile et d'essayer. Faut que j'aurai bien pris les commandes en bas, enfin en main. Bah, certains ennemis peuvent t'envoyer des dégâts quand tu les touches. Ok. Ah, j'ai le truc magique là. Ah, je sais pas, là en bas du droïde. Donc on verra, mais je vais essayer là, avec lui là par exemple. Non. Je sais même pas comment on fait. Attends, je me rappelle plus. Ah, la blague. Bon, je regarde les commandes. Je me rappelle plus. Comment on fait? Non. Non, bon. Pour ça, je peux pas. Alors, ah oui, je vais avoir une commande à signer normalement. C'est ce que c'était... Enfin, c'était marqué tout à l'heure. Bon, pour l'instant, il me donne pas de... de fil à retordre pour le moment. Hop. Continue. Donc là, on voit bien, j'ai l'épée magique. On va regarder... Menu mystère... Frappe magique. Donc, c'est Zedel. Ouais, bah... pour l'instant, Zedel... j'ai rien du tout... Quand j'appuie sur ZL, bah j'ai rien du tout. Donc j'ai peut-être pas débloqué la frappe magique. Ou alors c'est pour un ennemi. Ouais, j'adore. Moi je kiffe bien là. Le petit personnage il bouge bien et tout. Ok, super. Bon, on en a 5 déjà. Bon, j'utilise pas le bouclier, ça sert à rien pour le moment. C'est des slimes. Alors attention, champignon devant toi. Donc là on va certainement utiliser bouclier. Ah ouais, non c'est... Non, tu fais... Allez, casse-toi toi. Du coup le bouclier sert juste pour les boules, mais sans plus quoi. Hop, là ça a servi, nickel. Donc les pièges, je suppose que ça va nous servir à acheter des potions ou des trucs comme ça. Merde, j'avais pas vu celle-là. Ok. Je récupère un cœur. Moi j'essaye l'attaque là. Avec l'épée en bas. Voir ce que ça donne. Par contre, je peux pas déclencher le truc là. C'est relou ça. Voilà. J'avais pas vu celui-là. Bon, ça joue tout seul. Hein. Niveau maniabilité, il y a rien à dire. Niveau design, vous l'avez à l'écran. Bon, au début, j'ai eu un petit peu peur. Avec la baisse de framerate. Hop. Mais du coup, ça passe crème. Hop, on continue. Pour l'instant, ça s'est joué, mais on est dans les premiers niveaux. En plus, on est en mode facile. Oh, pas de raison de... y arriver. Ah putain. Oh merde, je peux... Eh oh, oh, oh. Oui, on va regarder après. Je pensais qu'il allait me donner un truc, mais non. J'ai perdu de la vie. Bêtement. Ok, donc si on fait ça et ça... Ok, descend. C'est bon de le savoir. Dans un niveau, ça va certainement servir, ou dans plusieurs niveaux. Hop, on peut marcher. Attends. Ah, tu peux même pas faire la garde en même temps quoi. Tu peux pas faire ça et ça. Ça peut te protéger un peu mais même pas. C'est dans la...
dynamique du jeu. Ça a été vu comme ça. Du coup, faut pas que je fasse le con. J'ai plus beaucoup de cœur. Je vais en récupérer un. Nickel. Faire attention. Pas facile de jouer. Merde, pas facile de jouer et de parler. Ok, impeccable, j'ai récupéré un cœur en plus. Et là, il y a un papy qui est là. Passe-toi devant. Ok, bon, on verra. Allez, on va voir ce que ça donne. Achèterai les dieux. Ah, franchement, archi bien. Super dynamique et tout, il y a rien à dire. On voit pas le temps passer. Bon, là, on est dans les premiers niveaux, hein, mais franchement, c'est impeccable. La prise en main, impeccable. Le sound design, il y a rien à dire. Cara design aussi, quoi, nickel. Bon, bah là, je pense qu'on a l'un des premiers boss. On a une tour, donc je suppose qu'on a un boss tout en haut. On va essayer d'y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sauvegarde. Hop. Si j'y arrive là. Par contre, pas de sauvegarde auto, ça va être chaud. Oui, vas-y, on va mettre ça là, c'est bien. Impeccable. Ça évitera de se retaper tout le niveau s'il y a besoin. On sait jamais. Oh, cette tour teste la puissance en tant que guerrière. Et utilise les compétences que tu as apprises jusqu'à maintenant. Ok, mais je peux toujours pas utiliser ma super épée. Ah, ça j'ai un coup là. Ok. Donc là c'est quand j'appuie sur ZL. Mais ça consomme pas plus de mana que ça. D'accord, bon. Ok, bon, bah tant pis. Là j'ai essayé mais... Ah, il va pas me toucher là. Si, ah c'est pas bien. Ça s'est fait. On va rebouger son boule, impeccable. Oh j'adore. C'est toujours bon à prendre. Franchement, 35 balles le jeu, ça vaut le coup. Hein. En plus, si la durée de vie est assez longue, faut se faire plaisir. Là, il n'y a rien. Voilà. Défoncé là avec ZL. Ah ouais, j'ai réussi à faire l'attaque. C'est bon, j'ai appuyé sur ZL et attaque, c'est bon. Bon, j'ai perdu ma magie, mais c'est pas grave. C'est histoire de savoir comment ça fonctionnait. On ramasse un peu de pièces, ça fait du bien. Putain, c'est chaud là. Faut y rater la marche. What time si à la marche comme dirait l'autre. Ouais, allez, allez, vas-y, dépêche-toi, tourne en rond. On se protège, on sait jamais. Faut pas prendre de risques. Bon, j'ai récupéré tous mes cœurs, donc je crains pas grand-chose, mais... Super, j'ai récupéré un coffre. Oh, ça fait plaisir. Oh là là. En fonction de ce qu'il récupère, elle bouge différemment son boule, quand même. Hein. C'est une tentatrice, je suis sûr. Achat. La tentatrice. Ouais. Je sais plus comment on redescend. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas les monstres qui reviennent, parce que sinon... Là j'ai fait... Le papy j'ai fait, donc ça doit être par là, mon ami. Oh bah tiens, allez bingo. Et je pense que un peu plus loin, il n'y a rien. Ah bah merde, on rentre directement... Ah ouais, hop là. Merde. Voilà. Bon là j'y suis allé en mode bourrin. Peut-être essayer d'avancer un petit peu plus dans le niveau. Pas quoi il sert ce machin là. Ça arrive bien, en plus il nous attaque même pas. Allez. Moi, je prends du plaisir à jouer, ça fait super plaisir d'avoir un petit jeu comme ça là. Enfin, un petit jeu. Un jeu quoi. Un jeu sur Switch. Bon après c'est de la 2D, c'est pas un jeu en 3D et tout ça. Mais après Subnautica. Ah j'étais bien parti dedans là, Subnautica franchement.
Tant pis. On essaiera de le refaire sur PC ou sur Xbox, je sais pas, je vais voir. Mais pour l'instant, je suis pas motivé à le refaire. Ah. Ah oui, là. Putain, chelou ça. Petit renard et tout. Par un cœur. Du coup, on va affronter. Ok. Super. Là, on pourra le faire avec la magie directement, mais je vois pas trop l'intérêt. Autant se faire plaisir comme ça. Ah, le loup-garou, il me fait penser dans Digimon là. Ou à Garurumon. Hop, ah. On est chaud là. Ah, j'aurais pas le temps de lancer la troisième attaque. Allez, casse-toi. Qu'est-ce que nous avons là? Donc pour 100, on a ça. Pour 300, on en a 6. Vas-y, vas-y, on va prendre ça là. Pourquoi je peux pas? Sans quoi? Faut 100 cœurs. Non, c'est pas possible. Oh. Bizarre ça. J'avais ce qu'il fallait pourtant, non? Ouais, c'est chelou ça. Non, bah j'ai pas du... Je peux pas voir ce qu'il faut. Tampi! Par contre, c'est pas du tout où il faut aller là. Ah oui. Conseil aventure, les cœurs peuvent... ça va trop vite. On va aller là. Je sais pas, on prend au fur et à mesure. Hein. Ah ouais, là, il y a ça. Mais je sais pas si... J'ai un doute. Ah, j'ai un coffre. Impeccable. Oula, mais c'est quoi tout ça? Ah ouais, c'est de l'argent. Pour pas regarder. Oh non. Oh, c'est abusé, faut que je retourne là-bas. Oh, le casse-tête, je te promets là. Ah, le son il est bon par contre, hein, dans les oreilles là sur le casque. Fait plaisir. Ah, cool, une petite clé. Donc on va avoir un autre truc à ouvrir. Est-ce que c'est par là? Non, j'ai des doutes que ça soit par là. Je sais pas comment je vais là-haut. C'est la bonne question. Ah, là-bas. J'ai vu. Merde, j'ai vu un truc là. Donc là, t'appuies sur X pour sortir. De toute façon, tu regardes. Vas-y, dépêche-toi là. Tu regardes, tout est indiqué. Donc pour l'instant, je garde mon coup magique pour un puissant ennemi. Donc là, on va faire attention. Ok, hop là. Ah, j'aurais pu tenter quand même. Hein. J'ai joué la sécurité. Là, ce qu'on va faire, ZDR, on va sauvegarder. Voilà. Oui, vas-y, sauvegarde. Allez, hop. Impeccable. Pensez à sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde auto pour le moment. Alors, je sais pas si c'est lié au jeu ou je sais pas quoi. Ouais, là, du coup, faut faire attention. Bon, voilà, j'aurais pu. Merde! S'il y a un truc à récupérer, parce que je peux passer par en bas. Oh non, ça sert à rien. Oui, c'est juste éviter les ennemis. Mais... Non, 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 reviens par là. Oh putain, en fait, c'est même pas éviter les ennemis quoi. Hop, hop. Oh non, putain, on va passer 2 heures dessus quand même. Ok. On reste bien à l'abri. Ça c'est fait. Du coup je peux monter là-haut. Ça m'intéresse pas. Par étage par étage. Pouah! J'ai pas vu celle-là.
Ah ouais, héroïne à fond, hein. Non. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé, là. Putain, je vais galérer, je le sens. Ah ouais, je le sens, là. Bon, heureusement qu'on a sauvegardé, là. Nickel. Hop. J'ai déjà perdu deux cœurs, on va pas en perdre plus. Surtout s'il y a un boss à la fin. Je vais essayer de le récupérer même. Putain, c'est pas possible. C'est quoi ce donjon là? Je crois qu'il y avait un coffre moi. Pas de coffre par là. Ah oui, il lance des trucs et... Bon là ça sert à quoi? Ah bizarrement là j'ai assez. Tout à l'heure j'ai pas assez mais... Kotaro. Nickel, une vie en plus. Oh ça fait plaisir ça. Je sais pas si je l'ai bien terminé le niveau mais... Conseil 7, les ennemis blablabla. Oh ça va trop vite les conseils là. En plus les temps de chargement sont relativement courts. Franchement ça fait plaisir hein. Y'a rien à dire. Là-dessus, impeccable. Ah. Oula. Oh, trop bien. Petit self-shading, là, comme ça. Du coup, j'en ai même pas... J'avais même pas fait gaffe. Ouais. Oula, non. C'est pas ça. Putain, c'est à quel moment qu'on va la... Ah, d'accord. Putain, c'est à quel moment, là? Moi, le délire. Ouais, d'accord. Je sais même pas comment je vais la buter. Ok. Ah, je veux bien, mais un moment. Putain, même la défense, ça sert à rien là. Putain. Là, je vois pas franchement. Je peux la faire tomber. C'est moi qui vais tomber là. D'accord. Ah, je l'ai eu. Ouais, je pense pas que je vais la kill comme ça, il me reste plus que deux cœurs. Ok. Bon, on se démerde pas trop mal pour le moment. Ok, super. Chance de vieux butant ou pas, je sais pas, mais en tout cas on a réussi, c'est impeccable, ça fait plaisir. Putain, mon mec est plus que 3 là. Non, franchement, ça fait plaisir là. Ouais, putain de jeu et tout, franchement impeccable. Bon, on est en mode facile. Hein. On le répète, là c'est pour la découverte du jeu. Mais comme je vous l'ai dit, il y a possibilité qu'on puisse le poncer sur YouTube en plusieurs épisodes ou sur Twitch en live. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, du coup, faut que je reparte par là. Ah, j'avais un coup magique, mais... Ah, non. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Utilise... Vas-y, utilise la lampe. Ah. D'accord. Oui. Putain, c'est énorme! C'est comme dans le monde d'Aladin. Ah bah, frottez la lampe et il y a un génie qui va sortir. Non, excellent, j'adore. Franchement, j'adore. À 35 balles, ça, c'est complètement... Bam. PlayStation. Tu as obtenu la lampe. Tu viens à nouveau de prouver tes qualités de guerrière. Va au palais royal de Rapadania. Tu seras accueilli en tant que...
guerrière et peut-être admirée par les gens du monde entier. Alors, au moins pour l'instant, je vais te servir, nouvelle maîtresse. Je voulais que tu saches cela, juste au cas où. Appelle-moi si tu souhaites revenir à Arana pendant ton aventure. Je t'y amènerai si je suis de bonne humeur. C'est tout ce que je peux faire. Pour toi, tu as compris? Ouais. Ah bah c'est nickel. Alors, prenons maintenant la route pour Rapa de Niaga. Ah non, non, j'y arrive pas. Ouais, du lourd, du lourd, du lourd. Franchement, j'adore. Non, excellente l'animation. Impeccable. Tout, la petite musique là. Changement relativement court, qui fait plaisir aussi. Pas trop de... Bah, à part au début, j'ai une baisse de framerate. Je sais pas si c'est dû au fait que je suis sur micro SD ou pas. Enfin, c'est strictement rien, mais là, ça a l'air de le faire. Bon, bah, impeccable. Oh, ça fait plaisir. Allez, on est à Rapa... À Rapa Dania. Faut y arriver quand même, hein. Oh, pas déconner. Là, tu vois, là, j'ai des baisses de framerate, là, tu vois. Ah, gna. Bon, on va se laisser là pour le premier épisode. Ouais, je dis premier épisode parce que peut-être que je vais continuer ou pas, j'en sais rien. On verra en fonction de votre engouement sur ce jeu. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui Wonder Boy Asha in the Monster World sur Nintendo Switch au prix de 34,99€. Moi, pour moi, c'est un petit régal, un vrai petit plaisir, un jeu en 2D, cel-shading, tout ce qui fait plaisir. Il est super kawaii, il est super facile à prendre en main. Donc, il existe aussi en version physique, version boîte. La jaquette est plutôt sympathique, hein, je l'ai vu sur Amazon, rue du commerce et tralala. Il fait super plaisir, le jeu fait 3Go, donc pour l'installer, franchement, c'est easy. Vous pouvez le trouver sur l'eShop et tout, faites-vous plaisir. Moi, je vous le conseille, il est disponible depuis le 28/5/2021, comme l'été arrive, et ben, il va falloir s'occuper. Moi, je vous le conseille, voilà, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.